Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer comment préparer des petits pots maison pour bébé. Donc là je vais préparer une purée de patates douces. Donc on prend une patate douce d'environ 100 grammes que l'on épluche. Voilà. Alors après l'avoir épluché et lavé, donc on coupe en petits morceaux. Donc on essaie de faire des petits cubes. En fait, le tout, c'est de ne pas couper trop gros pour diminuer le temps de cuisson. Voilà, une fois qu'on a fini d'éplucher, on les met dans une petite casserole avec un fond d'eau. Voilà, donc juste un tout petit peu, un verre à peu près. Et on va le laisser cuire pendant 15 minutes. Voilà, donc là mes patates douces sont cuites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mixer à présent avec du lait de coco et ensuite je vais l'assaisonner donc avec du poivre. Donc, voilà, pour cela je vais utiliser un mixeur plongeant et un bol. Voilà, donc je verse un morceau de patate douce dans le broc. Ensuite, pour que ça donne une purée assez liquide, je rajoute du lait de coco. Vous pouvez aussi rajouter de la crème liquide. Voilà, un petit peu. Et ensuite, j'utilise le mixeur plongeant. Voilà, donc là, je mixe. Donc là, j'ai obtenu une purée onctueuse. Ensuite, je vais juste rajouter mon assaisonnement et bébé va pouvoir se régaler.